Le projet que j'ai créé est, pour ainsi dire, un raccourci qui vous épargnera des heures et des heures à parcourir tous les projets que j'ai moi-même parcourus, et ce, de manière intensive. Je m'explique. La raison principale que je partage cela avec vous est de vous donner des clés et des idées de recherche. Car, en effet, puisque je suis québécoise, alors certains d'entre vous allez avoir les mêmes ancêtres que moi jusqu'à un certain point, bien entendu. Avant de poursuivre mon projet, je prends le temps de remercier ceux qui m'ont aidé en quelque sorte dans mes recherches sur mes ancêtres. Alors, ils sont au nombre de 42. Et la façon dont j'ai obtenu de l'aide sur ce site-là, c'est simplement de considérer sérieusement leurs recherches et puis devriez faire la même chose avec mon projet. Donc, 42 n'est pas une liste exhaustive. Il se peut que j'en ajoute d'autres plus tard. En fait, j'aide les gens parce que j'ai été aidée par d'autres projets. Et je rends donc l'appareil, je retourne l'ascenseur. De la même manière que j'ai découvert des ancêtres espagnols que je ne soupçonnais même pas, de la même manière, vous trouverez des ancêtres dont vous ne soupçonnez pas l'existence. Et ceci, je vous assure. Alors, aidez-vous en parcourant les profits que j'ajoute à ce projet. Et bien entendu, ce projet n'étant pas terminé, je vais en ajouter bien d'autres, mais pour l'instant, on est autour de 700 projets. Je ne vous mentirai pas, si vous étudiez tous les projets que je mentionne, vous trouverez un grand nombre de vos ancêtres nobles dans de nombreux pays et dynasties. Si vous voulez le faire, c'est à votre guise, cela ne me dérange pas, c'est votre choix, mais je dois vous dire que je connais plus qu'une langue et que j'en maîtrise deux, ce qui m'aide beaucoup. Sans compter le temps que ça peut prendre pour étudier ces 42 projets-là, et comme j'ai dit, ce n'est pas une liste exhaustive, donc je vais en rajouter d'autres, mais je vais répéter. En d'autres termes, ce projet est pour ainsi dire un raccourci qui vous épargnera des heures et des heures à parcourir tous les projets que j'ai moi-même parcourus de façon intensive. En gros, je descends directement des Norvégiens, des Suédois et des Normands, ainsi que des Mérovingiens et des Francs, donc forcément liés à l'Angleterre à cause des Normands du côté de ma mère. Je descends aussi des Plantagenets, surtout du côté de mon père, sans compter que j'ai aussi beaucoup d'ancêtres directs de la dynastie capétienne et que j'ai découvert beaucoup d'Espagnols du côté de ma mère. En parlant de la dynastie mérovingienne, je descends aussi directement des Templiers, dont un arrière-grand-père et trois arrière-grands-oncles et quelques autres moins directs du côté de mon père. Comment j'ai procédé personnellement avant d'atterrir sur ce site où je ne veux pas leur faire de publicité, ils en ont assez déjà. J'ai retracé, mais vous allez avoir le lien. J'ai retracé mes ancêtres des deux côtés jusqu'aux années 1600 environ
Et malheureusement, j'ai cru à l'époque que je ne pouvais pas aller plus loin parce qu'on a traversé l'Atlantique, n'est-ce pas, pour s'en venir ici, en Nouvelle-France, de la France. Alors, j'étais dans l'erreur parce que mes ancêtres étaient nobles. C'est peut-être, je ne sais pas, c'est une hypothèse, c'est peut-être la raison pourquoi que j'ai pu aller au-delà de 1600 parce que généralement, les gens du peuple comme moi, nous ne sommes pas capables d'aller au-delà d'une certaine période. Et puis, j'ai travaillé pendant des années pour connaître mes ancêtres avant de pouvoir les retrouver sur ce site-là jusqu'aux alentours de l'an 300. Alors, je vous garantis pas à 100% que vous allez. Ben, c'est parce que aussi, les Québécois, nous descendons de certains ancêtres nobles que j'ai déjà mentionnés, donc je ne vais pas me répéter. Donc, à partir de là, bien, il y en a plusieurs d'entre nous qui avons des ancêtres nobles, nécessairement. Mais je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Il y a du travail à faire, mais si vous allez sur le projet que j'ai créé, bien, compte tenu que vous et moi sommes Québécois, eh bien, il y a certains ancêtres que vous allez retrouver dont vous ne soupçonniez pas. Ainsi, je suppose que toute personne, comme conclusion, ainsi, je suppose que toute personne ayant suffisamment de pouvoir pour qu'on se souvienne d'eux pendant des siècles, voire des millénaires, est considérée par moi comme faisant partie du domaine des cercles royaux, alias la noblesse, plus spécifiquement. En vous remerciant de votre écoute.